parce que ce sont des chapeaux de réseau peuvent se propager par plage axo-axonale, donc de façon antidromique. Et quand on contrôle ça et on les recrée ici, on se rend compte qu'il y a une réduction de l'efficacité des synapses dans l'arbre dendritique de ce neurone-là. Donc, phénomène intéressant parce qu'on suspecte et on discute beaucoup de qu'il doit y avoir dans le cerveau, comme dans l'hippocampe, des phénomènes de réinitialisation ou de downscaling parce que les synapses ne peuvent pas indéfiniment être potentialisées quand c'est dans des endroits qui sont très, très sollicités pour prévenir justement une forme de saturation. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'auparavant, on a observé que, ce qu'on observe, c'est qu'auparavant, un stimulus qui était trop faible dans cette synapse-là, ici, qui était trop faible ici pour provoquer une potentialisation, peu après un envoi de ces sharp wave ripples-là, potentialiser à nouveau la synapse. Donc, on pense que ça aurait un rôle à jouer dans la consolidation, en favorisant, en augmentant spécifiquement la sensibilité à certains stimuli qui pourraient être plus récents ou quelque chose comme ça. Tant qu'à parler de processus de plasticité qui n'implique pas concernant la synapse, on peut en signaler un rapidement qui est tout simplement la modulation de la conductance membranale de l'axone, ce qui va augmenter l'excitabilité des axones. Ce qui arrive, c'est que, par exemple, on a fait dans ce passé-là une expérience où on a saupoudré de la nicotine sur un axone et ce que ça a fait, c'est que ça a réduit de moitié le seuil de déclenchement des influx nerveux parce que cette nicotine-là se fixait sur des récepteurs à l'acétylcholine qui rendait ainsi le neurone plus facilement dépolarisable et donc les probabilités d'excitation étaient alors plus grandes. Alors, on se dit que c'est peut-être une façon, est-ce que c'est une façon pour l'engramme lui-même de s'engrammer, en fait, ou est-ce que ça crée un état permissif qui favorise la plasticité synaptique plus loin au bout de l'axone? C'est des questions qui sont soulevées dans cet article-là. Là, en fait, je vous bombarde de choses toutes sortes de petites anecdotes qui ont émergé au cours des 10 dernières années, qui pourraient s'avérer des choses intéressantes. Entre autres, ça, c'était pas dans la théorie de Carrel, mais on sait tous que le potentiel d'action est considéré comme un phénomène tout ou rien. Hein. À un moment donné, ça part, au bout d'un certain seuil, ça se propage comme ça, et dans le deuxième neurone, ici, si une excitation dans le neurone présynaptique ne produit pas de potentiel d'action, il n'y a pas de réponse. Or, encore une fois, il y a beaucoup d'études qui sont apparues depuis une dizaine d'années qui montrent qu'il peut y avoir une part de transmission d'informations analogues dans le cerveau. On connaissait l'existence de potentiels gradués chez des gentilles bestioles comme la physie. Chez les invertébrés, si on a des excitations dans le neurone présynaptique de force croissante, on va observer des excitations dans le neurone postsynaptique de force croissante aussi. On avait ces potentiels gradués-là dans la rétine de l'œil. On sait qu'il y a ça dans la hanche du photorécepteur qui est cellule bipolaire. Mais là, ce qu'on trouve, c'est qu'on en trouve dans les interneurones au GABA, dans le cervelet, et dans les cellules de CA3 du hippocampe, c'est-à-dire des excitations du neurone présynaptique qui vont s'estomper le long de l'axone, et donc qui ne vont pas produire de potentiel d'action, mais qui vont quand même avoir un effet sur la libération des neurotransmetteurs dans le neurone postsynaptique. Ça résume un peu l'idée, tout ou rien, analogue, ben, ça suit le signal, et peut-être une combinaison des deux, ou, ben, possiblement à des endroits comme ici, on a des neurones avec leur dendrite, les axones, l'axone ici monte vers le haut. On a souvent des collatérales, hein, des axones, dans le cas de ces neurones-là, on a des collatérales qui viennent faire des connexions avec les neurones voisins. Et la distance étant très courte, il est possible à ces endroits-là que la composante analogue ait un effet, c'est-à-dire qu'elle puisse se combiner au potentiel d'action qui, bien sûr, vient aussi jusqu'ici, et pour offrir une espèce de système hybride. Par contre, évidemment, tout au bout de l'axone, très loin, ça serait une composante uniquement potentielle d'action tout ou rien. Donc, le répertoire computationnel, si on peut l'appeler ainsi, des cellules, semble se complexifier.
Et bon, comme ça commençait un peu raide, j'ai pensé de mettre ici une petite pause détente avec la coloration Rainbow. Puis on s'en va vers le niveau cellulaire, hein, on essaie de monter tranquillement. C'est apparu en 2007, c'est cette technique qui nous fait de si beaux petits neurones, toutes sortes de couleurs. Avant, dans les coupes traditionnelles, on peut mettre 2-3 colorations, mais avec ça, on peut avoir jusqu'à une centaine de teintes différentes. Pour mieux suivre, par exemple, les axones d'un neurone individuel. C'est le genre d'image qu'on voudrait encadrer dans notre salon. Et puis, la technique, bon, en gros, ça fonctionne par l'expression dans chaque neurone de différents ratios de variétés rouge, vert et bleu d'un pigment fluorescent qui se combinent dans différentes combinaisons, produisent différentes teintes. Il y a des limitations, évidemment. Bon, les animaux transgéniques, c'est pas toujours évident de travailler avec ça. Il y a la nature aléatoire de l'expression des couleurs. On contrôle rien à ce niveau-là. Puis on est en microscopie optique aussi. Mais quand même, ça c'est hippocampe, je crois, ça offre des très belles images avec des possibilités de comprendre les réseaux peut-être un peu mieux. Dans la théorie du neurone, il y avait le premier point qui était que le neurone est l'unité structurelle et fonctionnelle de base du système nerveux. Eh bien, on avait juste avec ça oublié la moitié à peu près des cellules du cerveau, ce qui est quand même quelque chose. Et on arrive à notre deuxième date marquante avec un article de 2004 où on avait enregistré les cellules gliales, ici sont en rouge. En passant, il y a eu une. On lit encore beaucoup qu'il y a 10 fois plus de cellules gliales dans le cerveau que de neurones. Ça a été revu à la baisse avec des techniques en 2009, un papier intéressant qui est sorti. On est plus dans un ratio de 1 pour 1. Mais évidemment, il y a des régions du cerveau où il y a beaucoup plus de cellules gliales que de neurones. Dans le cervelet, il y a beaucoup plus de neurones, mais en moyenne. Donc, ces neurones-là émettent du glutamate. Ces cellules gliales-là, comme l'astrocyte, ici, émettent du glutamate. Et ça provoque dans les neurones des courants transitoires. Le potentiel de membrane joue. Évidemment, ces astrocytes-là sont aussi en contact avec les capillaires sanguins, avec d'autres astrocytes par des gargeonctions. Et probablement, hein, ici on voit un peu l'enchevêtrement qu'une cellule gliale va souvent toucher à plusieurs neurones à la fois. Il y aurait là probablement possibilité encore là de faire un travail de synchronisation, de population de cellules nerveuses par les cellules gliales. Les astrocytes ont eux aussi des gargeonctions. Ça permet à des vagues de d'ion calcium, par exemple, de passer d'un astrocyte à un autre. On connaît ces phénomènes-là. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est de mettre tout ça ensemble. Et puis, un article récent paru cet été disait finalement que l'adjonction d'une cellule gliale à presque toutes les synapses permet de les moduler en absorbant, par exemple, l'excès de potassium. Il y a vraiment un jeu intime qui se joue à ce niveau-là. D'ailleurs, on parle de synapse tripartite souvent, hein, la troisième partie étant la partie gliale. On a le neurone présynaptique, postsynaptique, et on a toujours pas loin un élément d'astrocyte qui est là. D'ailleurs, un astrocyte, comme je l'ai dit, peut toucher à différents circuits de neurones, donc jouer ce rôle-là peut-être de synchronisation. Un autre type d'astrocyte, c'est l'oligodendrocyte, hein, c'est celui qui enroule ses manchons graisseux de membrane autour des axones pour permettre l'accélération de la conduction nerveuse le long de l'axone, la myélinisation de l'axone. Et dans un article récent, on a montré que des oligodendrocytes pouvaient produire des potentiels d'action. Là, vous devriez dire « Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est censé être l'élément premier qui distingue les neurones des potentiels d'action, les cellules gliales des neurones, les cellules gliales n'étant supposément pas capables d'en produire. Et là, on voit qu'encore une fois, ces oligodendrocytes-là, quand ils font feu, ont un effet, ils favorisent la conduction nerveuse dans les axones qu'ils isolent, et encore là, ils isolent souvent plusieurs axones à la fois. Donc, effet possible encore là de mise en commun, de synchronisation de l'activité. De sorte que, pour clore là-dessus, hein, pour prendre le terme du livre de Douglas Fields, The Other Brain, beaucoup de neuroscientifiques sont, selon ce blogueur scientifique, beaucoup trop neurone-centrique encore. Il faut arrêter, en plus, finalement, il faut arrêter de diviser le cerveau en neurones et cellules gliales. Je vois des noms dans la salle, Pierre, on en reparlera. Et il faut essayer de voir ça comme des cellules, bon, fort différentes, mais contribuant ensemble à quelque chose de complexe.
La neurogenèse, c'est un autre phénomène qui est arrivé pendant les années, au début, ben, on connaissait dans les années 70-80, mais dans les années, au début des années 90, Elisabeth Wood a montré que chez le rat adulte, on en avait. Donc la différenciation de neurones à partir de cellules souches chez l'adulte. Chez le mammifère, ça se fait dans l'hippocampe, dans deux régions, l'hippocampe et la zone subventriculaire, dans le gyrus dentelé et puis dans cette région-là. La région la plus étudiée, c'est le gyrus dentelé. Un article de 2013 de cet été a fait le calcul, environ 700 nouveaux neurones se développent dans chacun de nos hippocampes. Ça veut dire à peu près 250 000 par année. 2% de la population neuronale se renouvelle comme ça chaque année. Et au bout d'une vie, c'est peut-être le tiers des cellules de l'hippocampe qui auraient été changées. Donc, d'autres propriétés se confirment. Le stress, qui est un facteur aggravant de la dépression, diminue la neurogenèse. Les antidépresseurs, qui améliorent souvent les symptômes de la dépression, augmentent la neurogenèse. Et l'exercice, qui améliore le moral de tout le monde, favorise la neurogenèse aussi. Alors, en 2005, paraît un article sur les neurones miroirs de trois canons de la discipline. Et là, on peut remonter les articles jusqu'à encore là, au début des années 90, avec la découverte de ces drôles de cellules par Isolati et ses collègues en Italie. En deux mots, c'est quoi? Ben, c'est qu'il enregistrait dans les cellules, dans des neurones, dans une région proche du cortex moteur du macaque. Certains neurones réagissaient quand le macaque faisait un certain mouvement, comme prendre une bouteille d'eau et boire une gorge. Ah, on va voir que c'est pas sûr. Et quand justement le singe ne faisait rien, mais voyait l'expérimentateur faire pas n'importe quel geste, exactement le même geste, pas celui-là, mais celui-là, le même neurone faisait feu, donc l'effet de miroir. On a trouvé chez le primate deux régions. Là, ça, c'est la région S5, qui est l'équivalente de notre région un peu là, primatrice ici, et une autre région plus pariétale. Évidemment, chez l'humain, ce ne sont que des preuves indirectes. On n'a pas l'occasion de descendre souvent des électrodes dans les neurones. Et là, il y a eu tout le buzz autour de l'imitation, comme quoi ces neurones miroirs-là pourraient beaucoup favoriser ce phénomène très important dans la culture humaine de l'imitation. Ramachandran et Menonish qui disaient que c'était les neurones qui avaient shapé la civilisation. Et les rôles attribués à l'aide de notre compréhension des intentions des fondamentaux des autres, à l'empathie et ses troubles, comme l'autisme, l'évolution, l'apprentissage du langage, etc. Chez l'humain, en 2010, il y a eu une étude qui a affirmé avoir enregistré de tels neurones de façon individuelle parce que, vous savez, quand il y a des gens qui attendent pour une opération pour des foyers épileptiques, ils ont des implants, des électrodes implantés sur le cortex et ils en auraient trouvé, mais hors du circuit des neurones miroirs habituels. Et ça a été critiqué en fait pour cette raison-là parce qu'ils en ont trouvé un peu partout. Même dans l'hippocampe, et là, les gens disent, ben, finalement, ça perd beaucoup de sa puissance explicative si, finalement, il y en a un peu partout, et aussi parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait, 2 à 15 à 14 % environ. Mais c'est pas tout, parce que dans les mêmes années, en 2009, en utilisant une espèce de subterfuge, parce que les neurones, l'adaptation de phénomène où les neurones réduisent leur activité à mesure qu'un neurone est répété plusieurs fois, c'est un peu long à expliquer ici, mais cette étude-là, leurs données ne supportaient pas le postulat qu'un même neurone pouvait à la fois réagir quand on fait un geste et quand on voit le geste, que c'était peut-être des neurones différents dans des mêmes zones. Lui était aussi assez sévère, là, 8 problèmes avec la théorie de la compréhension d'action avec les neurones miroirs. En fait, c'est une théorie qui semble tellement aller de soi qu'elle est très attrayante, mais ça pourrait empêcher du même coup d'autres explications, peut-être moins générales, mais intéressantes aussi, comme une qui est que ces neurones miroirs-là pourraient peut-être enrichir de manière sensorimotrice certains concepts abstraits, comme des mots comme saxophone, danse, salsa. On aurait tout de suite avec ça, corporellement, une meilleure idée de ce que ça peut être. Et même Zolati et ceux qui les ont découverts ont réduit un peu à la baisse le rôle que pouvaient avoir ces neurones-là dans leurs écrits plus récents.
2006, une trentaine de laboratoires commencent à utiliser une technique nouvelle qu'on appelle l'optogénétique, qui elle aussi va faire vraiment un buzz, peut-être avec plus de raison. Les neurophysiologistes vont dire c'est le cadeau, le jeu qu'on attendait depuis des années. Parce que c'est un mélange de génétique, de virologie et d'optique qui permet d'activer ou d'inactiver instantanément, à l'échelle d'un milliseconde, des groupes spécifiques de neurones dans des cerveaux d'animaux vivants. Des groupes spécifiques de neurones, donc des cellules étoilées, des neurones pyramidaux. Comment ça marche? Bien, ça marche avec des promoteurs spécifiques que l'on commence à connaître qui peuvent exprimer des gènes dans certains types cellulaires. Et là, on met ça avec un promoteur. Donc, si on étudie des noyaux, des neurones du noyau sous-thalamique, on connaît tel promoteur. On met notre gène de, vous allez voir quoi tantôt, là, de l'opsine. On met ça dans des virus. Les virus infectent toutes les cellules. Ça s'exprime seulement dans certaines cellules. On met une petite canule avec des fibres optiques. On peut envoyer de la lumière là-dessus, des différentes longueurs d'onde. Et là, ça se passe ici, c'est qu'il y a des canaux. Des canaux à rhodopsine. La rhodopsine est une molécule canale avec un pigment photosensible intégré. Ça a presque été, ça vient des bactéries, mais on dirait presque que ça a été conçu pour faire ça. Et là, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'une même population de neurones, on peut faire s'exprimer des canaux à rhodopsine excitateurs et inhibiteurs dans le même neurone. Et on peut, avec des longueurs d'onde différentes, dépolariser notre population au complet ou la faire taire. Donc, très intéressant. Un des artisans de ça dit pour briser un code, il faut pouvoir jouer avec. N'importe quel hacker va vous dire ça. Alors, ça permet un peu de jouer avec le code à la milliseconde près. Ça donne quand même beaucoup de maux de tête aux pauvres électrophysiologistes qui ont dû se mettre à la biologie moléculaire. Mais j'espère et on le souhaite que sous Nano, ça va être une technologie qui va être standard, mais ça cause encore beaucoup de problèmes chez les primates, entre autres. Alors, on est un peu à mi-chemin, on essaie maintenant de voir, on va essayer de regarder l'organisation spatiale de ces populations de neurones-là. Par exemple, dans le cortex, on connaît les six couches du cortex. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On sait depuis longtemps que si on rentre une électrode de façon tangentielle dans les couches du cortex, on va voir que les neurones réagissent à des stimulus, à des stimuli différents, mais que si on rentre une électrode de façon perpendiculaire, ils vont tous réagir à peu près à la même orientation d'une ligne, par exemple, dans le cortex visuel. Donc, arrive le concept de colonne corticale, un concept quand même difficile à définir de façon formelle, mais une notion attrayante parce qu'elle suggère qu'elle peut nous permettre de surmonter l'incroyable complexité du cortex en disant que c'est peut-être un arrangement d'unités similaires partout, puis que si on finit par comprendre une colonne, on va toutes les comprendre, puis on... En fait, c'est là-dessus que se basent les grandes simulations comme le Brain Blue Project là, de Henri Marcan, qui essaie de modéliser d'abord un neurone, mais c'est pas seulement un point, là, c'est un neurone vraiment complexe avec 350 petits cylindres. Dans chacun d'eux, on va modéliser certains canaux et pas d'autres. Et là, on va essayer ensuite de ça. De mettre en plus constamment à jour ces données-là avec une interface open source. Donc, et on va essayer de modéliser une colonne comme ça qui a dedans 10 000 neurones. Ça, on va y revenir tantôt. Mais, et donc, comment ça progresse ce gros projet-là? Bien, en 2005, ils ont fait leurs neurones. En 2008, ils ont commencé des simulations avec une colonne de 10 000 neurones. Et là, ils viennent de faire un circuit méso-circuit qui contient 100 de ces colonnes-là. On aspire dans l'année prochaine ou l'autre année d'après à faire 100 de ces affaires-là, donc l'équivalent d'un cerveau de rat. Et plus loin, dans un avenir incertain, peut-être un cerveau humain. Le Brain Blue Project est donc appelé à évoluer vers le Human Brain Project qui vient, en janvier dernier, de se voir accorder la modeste somme de 1 milliard d'euros ou des promesses de 1 milliard d'euros, en fait, sur 10 ans. Ce qui a fait grincer les dents de tous les gens qui n'auront pas cet argent-là. Et ça a des critiques assez sévères. Il y en a qui disent simplement que c'est des routes vers un modèle si détaillé, mais à un moment donné, peut-être que le modèle va être tellement complexe qu'il va être comme le cerveau lui-même incompréhensible, qu'il n'y a pas d'organes sensoriels et qu'il n'y a pas d'organes effecteurs à ça. Donc, les colonnes qu'on simule
c'est peut-être un peu loin de ce qui se passe chez un véritable animal. Mais tout de même, en octobre 2013, il y a eu 80 institutions qui ont convergé vers Lausanne pour le premier meeting, ce qui fait qu'on peut s'acheter quand même peut-être plus d'amis que d'ennemis. Il y en a qui ont une subvention pareille. Bon, en septembre 2013, il y a eu une étude intéressante qui est parue sur les fameuses colonnes qui montre que chez le rat, il peut y avoir entre 10 000 et 30 000 neurones dans une colonne comme ça. Et que donc, et en plus, c'est pas au hasard le nombre de neurones dans une colonne, ça dépend dans le cas ici de la distance entre la vibrisse en question qui correspond à la colonne et le sol. Les vibrisses plus proches du sol, qui touchent plus souvent au sol peut-être, ont plus de neurones. Et donc, ça lance un défi à toutes ces simulations-là basées sur des colonnes strictement identiques. D'autres ont dit, OK, c'est compliqué les colonnes, on va plutôt se concentrer sur une espèce de circuit canonique, hein, qui serait le circuit de base des layers, des couches corticales. Hein, on sait que L4 envoie beaucoup de choses à L2, L3, qui envoie des choses à L5. Donc, quelque chose de plus flexible, là, qui pourrait s'adapter aux différents types de cortex. Et dans cette histoire-là, ben, il y a un truc de base qu'on sait depuis longtemps, c'est du thalamus. Le thalamus envoie des axones à L4, qui envoie beaucoup de stock à L2, L3, qui en retour envoie de l'information à L5, L6, et là, ça sort souvent du cortex par là. Mais, en 2013, cet été, est paru un article très intéressant où on a désactivé progressivement les couches supérieures, L2, L3, L4, et on s'est rendu compte que malgré la désactivation complète de ces couches-là, L5, L6 recevaient les inputs du thalamus avec le même timing qu'avant. Donc, une voie importante du thalamus direct à L5, ce qui fait en sorte que le modèle d'intégration là, d'un champ récepteur sur une colonne, il y a comme deux systèmes finalement superposés. C'est ce que dit l'auteur en tout cas, et que ça pourrait être utilisé, ces deux systèmes-là, pour autre chose que juste construire un champ récepteur. Un étage pourrait s'occuper du contexte, l'autre de la boucle, un étage pourrait être plus au niveau de l'apprentissage. On ne sait pas, mais en tout cas, ça a fait tomber un peu un dogme d'un peu plus d'un siècle, où on voyait toujours très bien, par décoloration classique, les connexions du thalamus à la couche 4. Bon, il y avait toujours ça, cette espèce de truc plus flou là, dans la zone 5 et 6. Et dans les bouquins, on disait souvent, il y avait souvent une ligne pointillée qui disait « modulation ». Terme un peu vague, mais finalement, c'est loin d'être une modulation, ça semble être une connexion aussi importante qui nous rappelle de se méfier des colonnes corticales dans un sens très « feed-forward », dans le sens alors que le cerveau est toujours richement interconnecté, hein, c'est même plutôt la règle, quand une région A envoie quelque chose à une région B, on peut être presque sûr que la région B envoie en retour quelque chose à la région A. Donc, « there's no bus in the brain », c'est très, très interconnecté, très cyclique. Et donc, en 2007, un petit réseau ici, cyclique à une autre échelle, pour parler de ce livre fort intéressant, qui s'appelle « Mind in Life », publié en 2007 par Kevin Thompson, qui est un peu la continuité du travail de Varela, hein, qui avait entrepris Varela, Eleanor Roche et Thompson, sur plein de choses. Donc, on a discuté dans un groupe de lecture à l'Institut, une démarche. Une chose de cette démarche-là, en plus de tout l'aspect neurophénoménologique, tout ça, c'est qu'elle fait remonter la cognition presque aux origines de la vie. En fait, pour eux, on parle de l'autopoïèse, hein, ce principe-là qu'un réseau d'éléments interconnectés qui produisent leurs propres éléments ainsi que leurs frontières est une unité autonome qui interagit avec l'environnement et crée du sens, en fait. À partir du moment où il y a des molécules intéressantes, ça va devenir quelque chose qui a du sens pour eux. Donc là, on va switcher un réseau tout de suite beaucoup plus haut. On arrive maintenant au niveau du cerveau global, à toutes ces cartographies qui essaient d'établir un connectome, une carte de toutes ces connexions-là. Il y a beaucoup de projets en ce sens depuis quelques années. Le iWire, qui est peut-être le plus modeste, mais peut-être le plus réaliste à brève échéance, où on essaie de cartographier la rétine, en fait,
toutes les connexions dans leur plus fin prolongement, dans la réussite, avec un aspect collaboratif, le crowdsourcing, on en parlait, où le public est invité à aller décider quelle région découpe en microscopie électronique rejoint telle autre, parce que les logiciels de reconnaissance de forme sont pas capables. Ça prend encore l'intelligence humaine pour ça, ça a l'air. Mais évidemment, on essaie d'entraîner le logiciel à comprendre ce que les humains font pour plus le faire tout seul après. Ça, c'est le Alan Marsh et Human Brain Atlas. C'est surtout les gènes, hein, un atlas de tous les gènes qui expriment tous les neurones du cerveau, qui vont permettre pour des maladies comme la schizophrénie ou l'autisme de savoir où aller dans le cerveau pour chercher. Ça, le Mars Brain Architecture Project, c'est vraiment là, de faire toutes des coupes d'un cerveau entier de rat, des coupes très fines, et de scanner ça ensuite, puis de reconstituer les. Tout le cerveau, en fait, c'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique, c'est l'espèce d'idée qu'on a le cerveau en entier, qu'on ne peut pas descendre jusque dans la forme synaptique, là, comme en microscopie électronique, mais qu'on a vraiment la terminaison des axones. Donc, on a les embranchements. Ça n'aurait pas été possible il y a 10 ans, tout ça, parce que ça demande des capacités de stockage vraiment incroyablement grandes. Ça, c'est peut-être le plus gros projet, en fait, Big Brain, et puis j'étais surpris de constater que le MNI faisait partie de ça. Ça a été rendu public cet été. C'est la même chose, mais avec un cerveau d'humain, d'une femme de 65 ans, dont on a tranché le cerveau, hein, 7400 tranches de 20 microns. On a tout scanné ça, ça a pris 1000 heures, on a reconstitué ça en 3D. Puis, ça fait donc. On avait déjà des cerveaux de référence, peut-être avec l'imagerie cérébrale, mais la résolution spatiale, c'est 1 mm cube à peu près. Là, on s'en va à 50 fois une résolution spatiale 50 fois meilleure avec cette technique-là. Donc, on va voir beaucoup plus de choses. En 2008, disparaissait un personnage important de l'histoire des neurosciences, le fameux patient HM. On a enfin su son nom, Henri Molaison. Et il avait été donc beaucoup étudié, même à Montréal, par Brenda Milner. On lui avait enlevé les deux hippocampes. On ne savait pas trop à quoi ça servait à ce moment-là. Pauvre lui, il a perdu, il est devenu amnésique antérograde. Et on a fait la même chose avec son cerveau, pas longtemps après son décès. On l'a complètement tranché, étant donné qu'on connaît bien ses déficits. On peut maintenant continuer à regarder qu'est-ce que ce cerveau-là avait de particulier sans ses hippocampes. Enfin, le Human Connectome Project, un projet américain initié en 2010. Là, on va utiliser des techniques d'imagerie pour essayer de faire le connectome, plus précisément l'imagerie en diffusion, qui produit ce genre d'image, donc du câblage du cerveau, et l'imagerie cérébrale de l'état de repos, qui essaie de faire des corrélations entre des régions du cerveau qui sont actives en même temps pour essayer d'établir des liens. Évidemment, on va essayer de pouler ça, tous ces résultats-là ensemble, puis d'essayer d'avoir une meilleure idée des régions du cerveau qui se parlent. Un mot sur cette technique-là, qui produit quand même des belles images, donc c'est un spectacle que je fais actuellement, il faut des belles images. Donc ça a été, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a été perfectionné, de sorte qu'on peut voir maintenant, un mot sur le principe, ça m'a toujours fasciné, comment, juste avec les mouvements de l'agitation brownienne de l'eau, quand c'est contraint dans des petits axones, dans des petits tubes, l'agitation se fait plus dans le sens du tube. Et c'est ça qu'on détecte. C'est ça que les petits voxels vont détecter et vont mettre ensemble dans l'ordinateur pour créer ces belles images. Une fois qu'on avait le goût d'accrocher sur le mur. Il y a des critiques à ça. Entre autres, ceux qui font plus des coupes traditionnelles vont dire c'est bien rare qu'un neurone connecte à un seul autre neurone. Il y a beaucoup d'embranchements dans les axones. Et ça, les petits embranchements qui partent à gauche et à droite, l'imagerie de diffusion ne le voit pas très bien. Et aussi, ben, dans les connectomes, il n'y a pas de cellules gliales. On est dans les axones. Ça, c'est juste pour montrer les délires de puissance des machines à imagerie. La plus forte était de 9 Tesla, ça, c'est la force de l'aimant. Là, on a envisage d'en faire un là, qui est en construction de 11 Tesla. C'est plus fort que les aimants du grand collideur de Hadron. Alors, mais ça ferait passer la résolution de 1 mm à 0.1 mm. Mais je pense qu'il ne se rentre pas là-dedans avec ton genre, je pense. Ils font des tests encore sur les tissus vivants pour savoir si. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, depuis 10 ans, jusqu'à 15 ans, inutile de dire que c'est celle-là qui occasionne le plus de publications. C'est un peu la vedette.
on parle sur le principe, évidemment, ça implique les cellules gliales qui détectent les régions neuronales les plus actives et puis font se dilater les vaisseaux sanguins. Là, il y a plus de sang qui arrive, il y a plus d'eau, parce qu'il y a le signal d'eau qui peut être détecté. Et comme c'est la plus populaire, c'est aussi la plus critiquée, en tout cas, elle est très critiquée de toutes parts pour toutes sortes de limites. Entre autres, en 2009, Klein avait fait une critique qui disait que finalement, on pouvait absolument rien dire de l'imagerie cérébrale, hein, on s'en souvient, parce que lui, son argumentaire était construit entre autres sur le fait que pour lui, le cerveau est un système densément connecté, que dans un système comme ça, quand arrive un influx nerveux, ça prend pas de temps que toutes les régions vont être activées, et que donc, avec la résolution temporelle qui est pas très bonne avec l'imagerie cérébrale, les tests statistiques ne nous permettaient pas de déduire quoi que ce soit. Ça a été tempéré un peu par notre ami Édouard Machery, qui est venu nous visiter il y a à peine un an, où il questionnait vraiment la pertinence de traiter le cerveau comme un système de cause indépendance, puisqu'on va voir qu'il y a quand même une indépendance modulaire qui est là. Et bon, là, les tests de significance, ça peut très vite devenir très technique, les débats statistiques là-dessus. Ça, c'est une autre critique qui est venue il n'y a pas longtemps aussi, en disant qu'au début, avec l'imagerie cérébrale, on testait des choses assez simples, des gros comportements, puis qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de sujets, mais que là, on est rendu à tester des affaires comme les différentes personnalités, les émotions, puis que des échantillons de N égale à 5, ça donnait des puissances statistiques qui étaient vraiment très, très basses, et qu'il faudrait regarder ça de plus près. Une autre critique, ben, c'est le retour de la phrénologie et de la bloopologie, de l'étude scientifique des taches de couleur. Et donc ça, c'est aussi une critique qui dit finalement... Et aussi le saumon mort, peut-être le plus célèbre de l'histoire des neurosciences, vous connaissez peut-être l'histoire, où un expérimentateur a essayé de faire des tests de calibration. D'habitude, ils font ça comme avec des ballons d'eau, puis il n'avait pas ce qu'il voulait, puis il avait acheté un saumon pour son souper. Il a dit, tiens, il y a beaucoup de gras là-dedans, je vais faire mes tests. Il présentait ses stimuli, c'était des images d'humains en situation sociale, et à un moment donné, il a obtenu des belles taches au niveau du cerveau du saumon mort. Donc, la question du « où » n'est peut-être pas la bonne question dans le sens où le bon niveau d'analyse, de pari qu'on fait actuellement, c'est beaucoup dans l'interaction dynamique du réseau. Peut-être un usage intéressant de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle le décodage cérébral. C'est que là, on ne va pas regarder juste les voxels qui sont les plus actifs, mais on va considérer l'ensemble du pattern général de tous les voxels, même ceux qui fluctuent très peu, pour essayer de dégager des patterns, justement, puis avec ça, on a montré que les souvenirs étaient pas mal plus engrammés, de façon pas mal plus distribuée qu'on l'aurait cru. Une expérience, par exemple, on a pu montrer une bande de 120 images à un sujet, et au bout d'un certain nombre d'essais, on était capable, juste en regardant le pattern, de dire quelle image le sujet avait vue. En 2010, a été publié cet ouvrage, Networks of the Brain, qui nous parle finalement de la théorie des réseaux, hein, une approche plus computationnelle, plus mathématique, pour essayer de dégager l'organisation générale de tout ça. D'ailleurs, il y avait eu un workshop qui était passé sur la liste à l'Université de Montréal là-dessus il n'y a pas longtemps. On essaie avec des outils mathématiques, on en a parlé tantôt, la théorie des graphes, de voir comment s'organise ce réseau-là, quelle forme particulière il peut avoir. On a compris une chose, c'est que ça s'organise en gros sur le mode la modularité de type small world, c'est-à-dire des modules, des neurones très proches qui ont beaucoup de connexions entre eux, mais qui entretiennent aussi quelques connexions avec des neurones des modules très éloignés, mais pas modules dans le sens d'une fonction, là, dans le sens d'une unité de traitement. On observe un phénomène multi-échelle, une espèce de hiérarchie fractale dans certaines régions où des modules sont faits de sous-modules. C'est un niveau de modularité à l'ensemble, dans l'ensemble du cerveau. On peut dégager des grands modules. Certains sont pas trop décomposables, comme celui-là dans le cortex occipital. D'autres, dans le cortex frontal, sont faits de beaucoup plus de sous-modules. Cette organisation-là, Small World, a des caractéristiques. Certaines sont intéressantes. Le faible coût du câblage, évidemment. Le fait qu'elle favorise le fractionnement de l'analyse du signal et donc le traitement en parallèle, qui est beaucoup présent dans le cerveau, comme dans le cortex visuel.
Les connexions longues, elles, vont être plutôt associées à un traitement global permettant d'intégrer tout ça, mémoire de travail. En 2011, est paru un papier sur les hubs, ce qu'on appelle les hubs, qui sont des espèces de... C'est une propriété aussi des architectures SmartWorks, de favoriser certaines grandes autoroutes plutôt que d'autres, donc une connectivité plus dense à certains endroits. Donc des papiers qui montrent que ça a un coût élevé, mais une grande capacité donc de faire circuler de l'information comme nos autoroutes. Ces hubs-là sont flexibles. Ils permettent, par exemple, quand on dégage des réseaux computationnels, ici on en a dégagé à partir de presque 300 régions, on a distingué peut-être 9 principaux modules et on a une espèce de hub entre tout ça qui permet en fait un peu de basculer selon la demande de la tâche. On le voit ici avec un apprentissage moteur, on peut switcher, mettons qu'on apprend à faire une tâche avec un stimulus auditif, dans les voies frontopariétales qui font partie de ce flexible hub-là, on peut transférer, si vous voulez, l'apprentissage avec un stimulus qui va être visuel. Donc, ça permet des effets comme ça. Ça, c'est pour amener l'idée de workspace. Hein, ces flexible hubs-là évoquent le concept d'espace de travail neuronal hein, que on parle avec la biologie de la conscience depuis au moins 2 décennies. Donc on faisait faire de la manipulation d'images mentales au sujet, et puis on pouvait isoler, on pouvait voir distinguer comme ça une douzaine de régions qui avaient une activité différentielle à ce moment-là. Et donc cette idée de Blackboard, je pense qu'elle avait déjà défendu, quand Fodor avait courageusement défendu devant Fodor, l'idée d'un espace de travail revient très à la mode. Et aussi l'idée de flexibilité avec la conférence de Stephen Mitten de l'été passé, comment la vie humaine a eu cette intelligence fluide-là, ça pourrait venir de là un peu. Le mode par défaut aussi, on en entend parler depuis au moins une dizaine d'années. C'est l'idée qu'il y a des régions qui sont plus actives dans notre cerveau durant le repos que pendant une tâche. Mais là, on commence à dire que ces régions-là qui sont actives quand on ne fait rien seraient actives quand on fait aussi certaines choses, en fait. Et c'est ça qu'on cherche dans la computation sociale, dans la mémoire autobiographique aussi. Et puis dans d'autres, on commence à faire des liens entre le mode par défaut et certaines fonctions plus personnelles. On connaît ces régions-là, sont en mauve ici. Il y a Rachel qui a publié un article où il rappelait que c'est ça, ils ont fait un espèce de shift à un moment donné quand ils ont compris que les régions qui se désactivaient durant toutes sortes de tâches étaient peut-être des régions justement qui s'activaient quand il n'y avait pas de tâches. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée d'un réseau de mode par défaut qui est considéré maintenant comme un système, comme le système visuel, c'est considéré comme un système en soi. Et donc, le cerveau ne se repose jamais. Cette étude-là montre que durant l'éveil, le cerveau est un peu constamment dans un état d'exploration interne à travers la formation et la dissolution de cet état par défaut-là. Donc, encore l'idée d'instabilité. Par conséquent, le mode par défaut reflète vraiment les capacités dynamiques et l'activité endogène du cerveau. Et pour quelqu'un comme moi qui a passé un certain nombre d'années à regarder l'activité endogène des neurones d'aplésie, j'étais très content de voir que des gens se mettent à dire que, attirer l'attention sur le fait que oui, le cerveau est un système qui peut réagir à tous les stimuli de son environnement.